Salut tout le monde et bienvenue pour ce premier tutoriel sur InDesign consacré cette fois-ci aux bases, à l'interface, au format de document et à la mise en place du plan de travail. Donc comme sur Illustrator, ici nous allons voir les outils de la barre de gauche et comment mettre en place les outils de la barre de droite. Donc tout d'abord, sachez que je travaille sur InDesign CC 2014 et donc on attaque tout de suite avec la création d'un document. Donc créer un document sur InDesign, c'est un peu plus complexe que sur Illustrator ou sur Photoshop, puisqu'il faut déjà de base savoir ce qu'on va faire. Donc InDesign, c'est un logiciel qui est un logiciel d'éditeur, très pratique pour vos présentations, donc que ce soit pour des documents, des livres, des bibliothèques, comme vous pouvez le voir ici, donc des livres ou des regroupements de plusieurs livres. Donc nous, on va créer un document, ou CTRL N, ou fichier, nouveau, créer un document. Donc ici, vous arrivez sur cette page-là qui peut paraître un peu complexe. Donc déjà, les marges, ici en bas, c'est l'espace que vous allez laisser, en fait, entre votre bord de feuille et le cadre, entre guillemets, où va s'accrocher la plupart de vos éléments. Donc c'est le petit cadre violet que vous allez avoir, c'est un peu comme sur Publisher finalement. Donc ici il est à 12,7, vous pouvez le descendre à 10, enfin, vous le mettez à votre convenance, c'est à vous de voir. Donc ce qui va nous importer ici, ça va être le nombre de pages, les pages vis-à-vis, le format de document, si c'est en paysage ou si c'est en portrait ou si c'est en paysage. Donc ici j'ai laissé volontairement cocher page vis-à-vis, ça va être le truc à savoir. On verra ça après, les pages vis-à-vis, ça peut être assez chiant. Donc ici, vous avez le mode impression, web, publication numérique. Donc ça, c'est l'avantage avec InDesign, c'est que en fonction du mode que vous allez sélectionner, vous allez avoir des profils qui vont être nettement plus précis, donc que ce soit pour l'impression, soit pour l'affichage web, soit pour l'affichage sur écran. Donc ici, par exemple, je vais créer 4 pages, pages vis-à-vis, voilà. Si vous créez des pages vis-à-vis, donc c'est les mêmes raccourcis, Alt, Molette, arrière pour dézoomer, Alt, Molette, avant, pour zoomer, et espace maintenu pour avoir la petite main. Donc là par exemple j'écris 4 pages vis-à-vis. Donc en fait les pages vis-à-vis c'est ça, c'est-à-dire que vous allez avoir 2 pages qui vont être les unes à côté des autres comme sur un bouquin. Donc ça, les pages vis-à-vis, c'est très pratique si vous créez, admettons, un livret ou même un livre. Par contre, si vous faites des pages bien séparées, genre des planches et tout ça, ça peut vite être chiant. Donc si vous voulez pallier à ce genre de choses, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans Fichier, Format de document, et ici vous pouvez décocher les pages vis-à-vis. Pareil, vous pouvez dans cette petite fenêtre modifier l'orientation. Donc moi je vais par exemple utiliser du A3 en paysage. Ok, et voilà. Là vous avez vos pages. Donc on va commencer tout de suite avec les outils donc de la barre de gauche. Donc comme d'habitude, la flèche noire et la flèche blanche, ça c'est comme sur Illustrator. Donc la flèche noire, vous appuyez sur V pour l'avoir, la flèche blanche sur A. Donc la flèche noire a comme propriété qu'elle va... donc là je vais créer... Hop. La flèche noire a comme propriété, exactement comme sur Illustrator, de modifier vos rectangles, comme ceci. Voilà, par exemple, modifier vos images comme ceci. Donc à partir de ces points, on va dire d'une sorte de cadre de modification, voilà. Et la flèche blanche, par contre, va bouger vos points, voire vos droites, comme ceci. Donc voilà, vous pouvez éditer vos documents comme ceci. L'outil page, qui lui vous permet de travailler spécifiquement sur vos pages. Donc il y a un outil assez obscur hein, qui vous permet voilà, de modifier ici vos documents un peu de manière plus précise. Cet outil-là qui va être assez pratique, l'outil espace, donc admettons j'ai deux rectangles ici, je veux qu'il conserve exactement le même espace entre les deux, hop, et je vais pouvoir les modifier comme ceci, tout en conservant exactement le même espace. Donc ça c'est assez pratique, ça permet de voilà, ça permet de faire ce genre de choses, c'est assez pratique. L'outil récupération, donc qui vous permet de récupérer des données sur certains contenus, donc ça c'est pour récupérer des données qui seraient corrompues, ce genre de choses. L'outil texte, donc là, contrairement à Illustrator par exemple, l'outil texte en fait ne fonctionne pas si vous faites simplement un clic. Voilà, il faut que vous fassiez un cadre dans lequel vous allez écrire votre texte. Donc là par exemple, je vais écrire du texte, voilà. Voilà, je vais faire un grand paragraphe de texte. Et voilà, vous avez écrit du texte dans un paragraphe. À savoir que, admettons, si le texte dépasse du paragraphe, ça peut arriver. Vous faites ça, vous voulez faire une édition, tac, et votre texte dépasse du paragraphe. Bon, ben, c'est pas grave. Vous cliquez sur la petite croix rouge ici,
et vous cliquez en dehors, comme ceci. Et vous pouvez recréer un autre paragraphe de texte. Voilà. Et ce qui est l'outil, enfin, ce qui est super, super intéressant avec, avec InDesign, c'est que, ben, si, par exemple, ici, je rajoute, je saute une ligne comme ceci, ben, toutes les lignes que je vais enlever ici vont se répercuter. Voilà, comme vous voyez, ça va se répercuter sur l'autre colonne. Ce qui est plutôt pratique, puisque du coup, vous allez éditer ici votre première colonne, et du coup, votre deuxième colonne de texte va être affectée par l'édition de la première. Les deux sont liés, finalement. Donc voilà, ça c'est plutôt pratique. Ensuite, donc pareil, vous avez le texte curviligne, c'est exactement comme sur Illustrator. Donc ça, c'est un texte, en fait, si vous avez, si admettons vous avez une image ou quelque chose une sorte de vague, finalement, vous pouvez faire un texte qui soit lié à cette image, à la forme de cette image. L'outil ligne, donc pareil, qui vous permet de faire des lignes, comme ceci, voilà. Donc basique. Vous pouvez modifier plein de paramètres sur ces lignes, donc avec tous les paramètres qui se trouvent ici, par exemple. L'outil plume, donc qui est exactement le même que sur Photoshop, Illustrator et tous les produits de la suite Adobe. Donc avec plus, moins et l'outil de conversion de points direct. Ça, c'est un truc qu'on verra sur Illustrator. Ici, vous avez l'outil crayon, qui est le même que sur Illustrator et sur Photoshop, qui vous permet de faire des lignes comme ça, random. Et ici, vous avez l'outil bloc rectangle. Alors, l'outil bloc rectangle, c'est très pratique. Pour importer des images sur InDesign, on va donc en parler tout de suite, vous avez deux possibilités. Soit vous allez dans Fichier, Importer, et là vous sélectionnez une image, Ouvrir, et vous l'importez comme ceci. Soit vous faites un CTRL D, c'est le petit raccourci, et vous pouvez importer une image, comme ceci. Voilà. Et donc en fait, l'outil rectangle, comme ceci là, si vous faites par exemple ça, je dis que mon image je veux qu'elle soit là-dedans, et que vous cliquez sur ce rectangle, et que vous faites un CTRL D ou Importer, vous prenez votre image, et tac, votre image sera dans ce cadre de sélection là. Ça, c'est vachement pratique. Maintenant, on va parler de la différence entre le bloc et l'image. Sachant que le bloc de base peut être rond. Hein. Ça fonctionne exactement pareil. Vous cliquez dessus, CTRL D, hop, et voilà, votre image est ronde. Voilà. Alors maintenant, on va parler de la différence entre un bloc et l'image. Le bloc, donc si vous prenez votre flèche noire, le bloc, si vous cliquez dessus, c'est ce qui est en contour bleu. Enfin, de la couleur de votre calque, pour être précis. En fait, si jamais je modifie les dimensions de ce bloc-là, ce que ça fait, c'est que ça rogne l'image. Exactement comme sur l'outil recadré de Photoshop. Tac. Tout ce que ça fait, c'est que ça rogne l'image. Donc ça, c'est vachement pratique. Par contre, si, admettons, je redimensionne ce bloc proportionnellement à l'image, donc je maintiens Maj et ça me permet d'y aller proportionnellement à la taille du bloc, comme ceci, et que maintenant je veux réduire l'image pour qu'elle rentre dans le bloc, je peux soit double-cliquer dessus, et là par contre j'affecte juste l'image, voilà, plus le bloc, voilà, soit je clique sur le bloc, je vais dans ajuster, clic droit, ajuster le bloc au contenu, ou ajuster le contenu au bloc, bim, là j'ai ajusté le contenu au bloc. Et inversement, si jamais j'augmente la taille de mon image, je peux faire ajuster le bloc au contenu. Voilà. Donc ça, c'est deux petites manipulations assez pratiques. De manière générale, le clic droit, vous pouvez avoir plein de choses, transformation, rotation, déformation. Enfin, déformation, hop. Voilà, transformation, symétrie d'axe vertical, enfin voilà. C'est vraiment très pratique, c'est ce petit clic droit, vous avez tous les outils dont vous allez avoir besoin pour masquer. Vous allez avoir tous les outils dont vous allez avoir besoin pour faire de l'édition d'image. Donc on a vu le rectangle. Je reprends mon image. On a vu le rectangle. Là, on va voir le ciseau maintenant. Donc le ciseau, en fait, c'est exactement comme sur comme sur Illustrator, c'est-à-dire que vous faites un point comme ceci que vous pouvez modifier. Voilà, vous découpez en fait votre image, ce qui est... Voilà, vous découpez votre image. Ça rajoute des points finalement, des points de modification à votre objet.
Ici, vous avez la transformation manuelle. Donc, admettons, je clique sur l'image. Si je fais ça, le problème, c'est que ça modifie que le bloc. Si je fais ça, le problème, c'est que ça modifie que l'image. Le bloc derrière, faut qu'il suive. Et je suis obligé de faire des manips complexes. Par contre, si je veux tout modifier d'un coup, je clique dessus et je fais transformation manuelle. Et là, hop, je transforme tout d'un coup le bloc et l'image. C'est le petit truc à se rappeler. L'outil dégradé, donc pareil, ça vous permet de faire des dégradés. Voilà, ça permet de faire des dégradés, sauf que là je l'ai fait sur le contour. Donc on va pas avoir grand chose à part si je fais ça. Voilà. Ici c'est un outil de c'est un travail de. Comment dire de. Ça vous permet de faire des contours progressifs. Donc ça peut être très pratique en édition. Pour faire une opacité progressive. Ici, l'outil note, donc qui vous permet de faire des notes sur vos images ou sur vos textes, en fait, pour vous rappeler, tiens, ici, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci. Là, l'outil mesure. Donc, l'outil mesure qui vous permet de mesurer entre la distance entre deux objets. Donc, admettons, ces deux objets-là, je veux connaître la distance. Voilà, je peux avoir l'outil mesure. Sachant que l'outil mesure, si vous cliquez longuement, vous pouvez avoir l'outil pipette. Donc là, par exemple, vous allez copier les propriétés. Et voilà, il se trouve que les propriétés c'est la couleur ici, donc voilà, ça va copier la couleur. L'outil main et l'outil loop. Donc l'outil loop on préférera Alt Zoom et l'outil main Maj, enfin espace pardon, pour bouger votre espace de travail. Maintenant on va parler de la barre de droite. Donc la barre de droite c'est tous les outils qui sont là-dedans, vous pouvez les avoir en allant dans fenêtre et vous allez avoir tous les outils présents dans cette barre de droite. Et oui, j'ai pas parlé des règles, donc en fait, les règles, vous allez dans affichage, masquer les règles, donc là je vais les masquer, et afficher les règles, voilà, CTRL R. Donc en fait, les règles, comme sur Illustrator, sont gérées comme des objets, c'est-à-dire qu'en gros, je fais un supr pour les gérer, et je peux les gérer par calque. On reviendra sur les calques après. Donc ici, nous avons le premier onglet, qui est l'onglet page. Donc sur l'onglet page, vous avez deux types d'outils, vous avez les gabarits et les pages. Donc les pages correspondent à votre aperçu du nombre de pages que vous avez et de ce qui s'y trouve. Donc c'est assez pratique pour travailler dessus. Les gabarits, donc là par exemple les pages, vous pouvez en faisant glisser créer une nouvelle page avec les mêmes propriétés, c'est-à-dire que ici tac, je crée une nouvelle page qui a exactement les mêmes propriétés, les mêmes images dessus. Hop, là je peux créer une nouvelle page à la suite. Enfin bref, ici en allant sur la poubelle, je la supprime. Voilà, c'est assez intuitif. Là je peux modifier le format de la page. Donc si je veux ici que cette page soit en A4, hop voilà, elle est en A4. Ici vous avez les gabarits, donc les gabarits par défaut vous avez un gabarit qui s'appelle A gabarit. Donc, maintenant on va créer un nouveau gabarit en faisant un clic droit ici, nouveau gabarit, on va l'appeler B. Et là vous arrivez dans la fenêtre des gabarits. La fenêtre des gabarits est un peu différente, enfin elle ressemble à la fenêtre de présentation mais c'est pas du tout la même. C'est à dire qu'en fait ici ce que vous allez faire c'est créer un gabarit type, c'est à dire créer une page type que vous pourrez ensuite faire glisser et reposer sur vos pages afin d'avoir des pages types qui vous seront... Qui vous permettront de faire des cartouches par exemple. Donc admettons ici je veux faire un cartouche, donc je tape voilà. On va changer la police, voilà, on va modifier le cadre comme ceci, voilà, on va mettre une petite ligne en dessous pour faire un cartouche. Cette ligne, on va lui mettre, on va pas lui mettre de fond, donc sans fond. Ici, par contre, on va lui mettre un contour noir, un peu plus épais, donc admettons à 3 points. On va lui mettre un petit effet, donc les effets, tous les effets sont ici, dans FX. Donc là, vous allez pouvoir gérer tous vos effets, donc vous allez dans vous cliquez sur un des effets, ça vous ouvre ce panneau-là. Donc nous, on va lui mettre une ombre portée, voilà. Là, vous pouvez modifier, c'est exactement comme sur Photoshop, vous pouvez modifier les paramètres de votre ombre portée. Donc nous on va lui mettre une petite ombre portée, on va la rapprocher un tout petit peu du titre, voilà, comme ceci. Et donc là vous avez fini de créer votre gabarit. Donc maintenant, vous recliquez sur une de vos pages, n'importe laquelle, hop, j'ai cliqué comme ça, vous dézoomez et vous avez toutes vos pages. Maintenant admettons que je veux que ce gabarit s'applique à cette page là, bim, je le fais comme ceci. Et donc là le gabarit est ici, et il est intouchable, c'est-à-dire que c'est immodifiable. Si je veux ça que ça applique aux autres pages, je fais comme ceci. Bon, si j'ai beaucoup de pages, ce que je peux faire c'est cliquer sur ce gabarit là, et aller sur appliquer le gabarit aux pages. Et donc là vous définissez les pages, les numéros de pages que vous voulez pour que ce gabarit s'applique. Si admettons je veux modifier ce gabarit
Pour cette page en particulier, donc ce que je fais, c'est que je clique sur la page ici, et je vais dans libérer tous les éléments de gabarit. Hop. Et donc là, par contre, vous pouvez éditer vos éléments de gabarit comme si vous les aviez fait directement sur la page, et ça fonctionne à chaque fois pour chaque élément. Donc ça, c'est assez pratique. Maintenant, les calques. Donc les calques, vous pouvez en créer autant que vous voulez ici, dans l'outil calque. Voilà. Alors, à savoir que, comme sur Illustrator, les objets ne sont pas gérés par calque, contrairement à Photoshop, mais sont gérés par objet, tout simplement. Donc si j'importe une nouvelle image, admettons celle-ci, voilà. Elle est déjà dans le calque 2. Bon, le calque 1 n'est pas verrouillé, je peux aussi bien prendre cet objet qui est dans le calque 1 que cet objet qui est dans le calque 2. Donc n'oubliez pas de verrouiller les calques sur lesquels vous ne travaillez pas, ce qui vous permettra d'éviter d'y toucher, si vous n'avez pas envie d'y toucher, bien sûr. Voilà. Les liens. Alors les liens, c'est ce qui va vous permettre de finalement, parce que quand vous importez une image sur InDesign, cette image-là n'est pas liée au document. Disons que c'est un lien externe qui est sur le document. Ça va être très pratique après pour l'exportation. Ça vous permet d'éviter d'avoir des documents qui sont beaucoup trop lourds. Pareil, vous voyez ici, c'est ultra pixelisé. C'est parce qu'en fait, en termes d'affichage, voilà, si je fais affichage en surimpression, ça va. Bah voilà, ça va ramer si j'ai des documents qui sont un peu lourds. Donc en gros, InDesign se démerde pour qu'on comprenne l'information, mais au final, à l'exportation, vous inquiétez pas, ça va être net. C'est juste que vous êtes pas en aperçu de surimpression. Voilà, si vous voulez faire un aperçu d'impression, petite parenthèse, vous faites Maj W, voilà. Vous arrivez dans l'onglet présentation. Échappe pour en sortir. En fait, cet onglet de présentation vous permet de faire défiler vos pages telles qu'elles seront affichées, soit sur un écran, soit telles qu'elles seront imprimées sur un traceur. Donc voilà. L'outil lien, donc lui, permet de faire de générer les liens entre vos images. Si, admettons, j'importe cette image-là, tac, et que je la modifie, donc je vais sur Photoshop, je l'ouvre ici, ok, je la modifie, donc par exemple, tac, je vais modifier les couleurs comme ceci, je fais un CTRL S, donc je sauvegarde exactement sur le même document, et qu'ensuite je vais sur InDesign, vous avez remarqué, il y a un petit point d'exclamation, mais en fait, InDesign va me demander si je veux mettre à jour le lien. Je peux ne pas le faire, mais si je veux mettre à jour le lien, donc je double-clique ici, tac, et le lien est mis à jour. Voilà. Donc ça, c'est le truc à se souvenir, ça peut être très pratique. Style de ligne, c'est exactement le même que sur Illustrator. Je crée une ligne, je lui donne un contour. J'ai dit que je lui donnais un contour. Voilà. Par contre, je ne mets pas de fond. Je vais mettre un peu plus de contour. Je peux lui créer un style propre, voilà, comme ceci. Mettre des flèches. Ah, voilà. C'est assez pratique. La palette de couleurs, donc ici, qui est une palette libre. Ici, je modifie le mode d'affichage, donc SIMGN, RVB. Voilà. Là, pour l'instant, on est au niveau de gris. La palette ici, qui est une palette un peu différente, puisque en fait, elle permet de gérer les couleurs, mais de manière très précise. CMJN, donc le pourcentage de cyan, le pourcentage de magenta, le pourcentage de jaune et le pourcentage de noir, donc que vous allez pouvoir avoir lors de votre impression. Donc ça, c'est vachement pratique si vous êtes si vous travaillez de manière un peu plus professionnelle pour faire des choses, des présentations vraiment nickel. Ça peut être vraiment pratique. Ici, l'outil tâche en arrière-plan. Donc, tâche en arrière-plan se trouve dans Fenêtre, Utilitaire, tâche en arrière-plan. Donc là, celui-là, mettez-le ici, en fait, ça vous permet, lors de l'exportation, de voir à quel pourcentage de l'exportation vous en êtes. C'est souvent pratique, parce qu'on sait jamais, on tâtonne et tout. Maintenant, on va passer au style. Donc on a trois styles dans InDesign. Le style d'objet, le style de caractère et le style de paragraphe. Les deux qui vont nous être les plus utiles, ça va être le style d'objet et le style de paragraphe. Style de caractère, on va avoir tendance à moins l'utiliser. Enfin, personnellement, j'ai tendance à moins l'utiliser. Donc admettons, j'ai une image ici. Là, on va parler du style d'objet. Voilà, admettons j'ai une image comme ceci. Et en fait je veux modifier, je vais mettre des effets comme les effets qui sont ici. Bon, je peux soit l'appliquer à une seule image, soit aller dans style. Je crée un nouveau style, style objet 1. Donc on va pas le renommer. Et ici par exemple, ben je veux qu'il y ait une ombre portée sur l'objet. Je clique sur l'objet, je lui applique le style d'objet 1, et voilà, il y a une ombre portée. Et le fait que j'ai créé des styles prédéfinis, donc je peux appliquer d'autres paramètres, hein, bien sûr, le fait que j'ai créé des styles prédéfinis me permet d'aller beaucoup plus vite
dans mon édition et de dire voilà, je veux que toutes tes images aient le même style. Ensuite, le style de caractère fait pareil avec les caractères, donc avec les lettres, finalement. Ça vous permet de gérer vos lettres. Et le style de paragraphe fait pareil avec les paragraphes. Et ça, ça va être le truc le plus utilisé, puisque vous avez beaucoup de texte des fois sur les planches, ou même dans votre... Si jamais vous écrivez un petit livre ou un petit livret, vous allez avoir beaucoup de texte avec des styles assez différents, des couleurs et tout ça. Donc là, ça va vous permettre de gérer vos paragraphes de manière très rapide. Donc vous créez un nouveau style de paragraphe. Ici, je veux du... la police. Donc là, vous avez tous les onglets. Donc là, par exemple, vous allez gérer la police, la taille, l'interligne, l'approche, le style. Donc là, ça va être soit si vous êtes en bold, soit si vous êtes ce genre de choses. Voilà. Là, l'échelle, le retrait, les espacements. Donc moi, je veux justifier à gauche. La fameuse césure qui vous permet d'éviter d'avoir des petits tirés là, comme ça. Si vous décochez césure, vous n'aurez pas de césure. Et là, vous lui appliquez ce style, comme ceci. Voilà. Et vous pouvez faire pareil avec plein de paragraphes, vous pouvez créer plusieurs styles de paragraphes. Ensuite, vous avez ici alignement. Donc alignement, c'est exactement le même outil que sur Illustrator. C'est un outil qui permet de gérer l'alignement par rapport à ce que vous voulez. Donc par exemple, là, si je veux aligner par rapport à la planche, je prends cet objet-là, puis je dis que je veux qu'il soit pile au centre de la planche. Voilà. Par contre, je dis qu'il veut ici. La page. Donc c'est un peu le même délire. Sur les marques, voilà, ça c'est les marques de votre marge. Enfin bref, voilà, vous pouvez vous amuser avec cet outil-là, ça vous permet d'être nettement plus précis sur le placement de vos images. Ici, vous avez le Pathfinder, donc le Pathfinder, c'est exactement le même outil que sur Illustrator, à ceci près qu'il est... Voilà. Ceci est vrai qu'il est un peu plus complexe, que vous n'allez pas pouvoir l'utiliser pour vos images, hein, bien sûr. Mais voilà, donc vous allez peu l'utiliser celui-là par contre. Et ici vous avez les caractères spéciaux. Donc pareil dans fenêtre. Ici je me rappelle plus exactement où il est, mais vous avez les caractères spéciaux, les glyphes. Fenêtre. Voilà, texte et tableau, glyphes. Ça, je l'ai rajouté, c'est pas obligatoire, c'est juste que des fois, si vous arrivez, vous avez des caractères un peu spéciaux à faire. Bon, c'est toujours pratique de l'avoir à portée de main, plutôt que de toujours aller dans fenêtre, style, enfin texte et tableau, glyphes. Faites-vous votre propre espace de travail. Moi, je vous donne simplement cette petite consigne, ce petit coup de main pour bien gérer votre espace de travail. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. La prochaine fois, nous verrons plus en détail l'importation de documents, la gestion des calques, les styles et les gabarits, et la présentation et la systématisation, donc comment on peut, à partir des gabarits, faire des choses intéressantes, comme par exemple de la pagination, et commencer à faire une première petite présentation afin de voir quels sont les systématismes à adopter et comment exporter également comme il faut vos documents. Ça va être dans le prochain tuto. Donc sur ce, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager et à commenter. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous voulez ne rien louper aux autres tutoriels et aux autres vidéos. Vous pouvez également me rejoindre sur Facebook et m'envoyer un mail à mon adresse mail, j'y répondrai systématiquement. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour le prochain tutoriel. Allez, salut !